Mes amis, soyez les bienvenus dans ce stream ou dans cette vidéo. Ce soir, nous allons poursuivre en fait un petit peu de live coding Solarus, live coding, live mapping, comme vous voulez. C'est-à-dire que j'avais, dans le dernier stream consacré à ça, commencé à corriger ou améliorer, simplifier des scripts d'ennemis dans le pack de ressources Solarus. En gros, quand vous faites fichier nouvelle quête, c'est les ennemis par défaut auxquels vous avez accès. Et il y avait pas mal de petits problèmes. Il y en a sûrement encore d'ailleurs. Donc on va essayer de finir de les corriger ce soir. J'avais notamment supprimé des fichiers qui servaient à rien. J'avais supprimé du code qui servait plus. Et je vais commencer à écrire des tests unitaires même. Je fais une petite map de test pour chaque ennemi. Même si ça teste pas grand-chose encore. Et une plus grande pour toutes les slimes. Donc j'avais vérifié que les vertes et les rouges marchaient bien. Et là, j'en étais resté à ce que. En fait, j'avais un doute sur les violettes. Donc, on va pouvoir essayer de s'occuper des violettes pour commencer ce stream. On va appeler ça Slime Purple Destination. Est-ce que le stream marche bien? Ouais, c'est bon. Ça m'a l'air ok. Pourquoi il y a un Euro Unfreeze ici? Ça sert à rien ça. Ah si, c'est au cas où il serait blessé. Set life, set position, wait. Ok, donc ensuite on va se téléporter près du Purple Slime. Set life, set position. Suffit de attendre 10 secondes au moins. Alors, je vais lancer la map des slimes. Test slimes. Donc déjà je. C'est un test qui se met dans les salles successives en commençant par les slimes vertes, les slimes rouges. Mais pour le moment il teste pas grand-chose. Excepté qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe ou des choses comme ça, qu'il n'y a pas d'erreur produite par les scripts. Alors, les violets, ils jettent un œuf. L'œuf se transforme en un nouveau slime violet. Et après, bon, j'ai pas eu d'erreur, c'est juste qu'il est arrivé au bout des 10 secondes. J'ai quand même envie de faire des maps différentes parce que, au final, j'ai fait tout ça, mais je les teste une par une. Donc, c'est pas top. Du coup, je vais renommer ça en test Sliming Green. Je vais en créer deux autres. Test Slime Red. Puis purple
C'est pas le bon tile set. Tac. On va remettre tout ça en 320 par 240 aussi, et puis on va du coup simplifier le script. Je vais juste copier ces petits commentaires là. Hop. Bonsoir Little Black, bienvenue. Et puis les Purple Slime, je vais faire dans l'autre map. Voilà comment ça se présente. Il jette des œufs, il nous repousse avec du vent. Et l'œuf crée un deuxième ennemi identique. Et moi j'avais vu des erreurs dans la console. Quand j'avais testé ça mercredi, ou je sais plus quel jour j'ai fait un live making la dernière fois. Je peux pas les blesser tant qu'ils sont en vol. Ah ça y est, là je l'ai blessé. C'est moi ou les ailes, elles étaient à des coordonnées bizarres. C'est peut-être normal. Moi j'ai réussi à les tuer et. J'ai pas eu d'erreur. Ouais, après les ailes sont pétées, donc ça devient des slimes normaux, normal. Sauf que là, il y a un petit bug où on les voit plus pendant un moment. Hop, ils disparaissent, ils reviennent. Mais donc, en tout cas, ce qu'il faudrait tester. Ouais, Little Black, c'est ça. Merci pour l'abonnement, Berkeley Ligon. Ligon, je sais pas comment on prononce. Bienvenue, merci beaucoup pour le soutien. Ouais, je continue les tests qui vont être très, très rudimentaires pour commencer. Je voudrais surtout régler les problèmes que j'ai vus. Parce que là, on a remarqué que le sprite y disparaît pendant un moment avant de revenir.
Donc en fait, le script du Slime Purple, bon, bien sûr, il est assez compliqué, il fait pas mal de choses, notamment il crée des œufs. Un truc que je voulais vérifier, c'est est-ce qu'il y a une variable qui s'appelle sprite? Self-create-sprite, il le stocke pas. Parce que j'avais déjà eu cette erreur de sprite qui disparaît sur un autre. Et c'était à cause d'une variable sprite qui était pas locale et donc qui était commune à tous les ennemis. Mais là, ça m'a l'air correct cette fois-ci. Ah oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Donc, ouais, le truc qui est un peu tricky dans ce script, c'est que quand on crée un œuf, l'œuf va créer une slime purple. Ouais, donc c'est pas ça le souci. Le souci, c'est plus que. C'est où déjà? Ouais, c'est que quand on le fait tomber, une fois qu'il est tombé, on veut recréer une autre purple slime. Mais qui vient pas de ce script-là en fait, parce qu'on veut pas qu'elle ait nouveau des ailes. Donc en fait, on crée un green slime, un vert. C'est ce qu'on fait ici, slime green. Mais ensuite, on change son sprite à lui. Je pense que c'est ça qui marche pas très bien. Parce que lui, il a pas du tout prévu le coup, peut-être. Donc. Mais il crée un sprite, mais il le stocke pas. Ah, alors là. Ah oui, ça je sais déjà. Là, il voudrait mettre self. C'est pour ça que c'est pas propre de d'injecter des changements comme ça dans le slime green depuis le slime purple. Parce que le slime purple, il est pas vraiment prévu pour ça. Le slime green n'est pas vraiment prévu pour ça. Je pense que c'était ça le problème. Ouf, ça va être. Très difficile à tester, à faire un test automatique, mais on va essayer quand même. On va essayer de le faire légèrement plus propre quand même. On peut faire une fonction. Et donc en fait ce code que j'ai mis dans le purple, ces quatre lignes là, je les mets là. On récupère le sprite existant. On crée un sprite qui s'appelle comme ça. Purple sprite animation finished en copie. Et enemy remove sprite, le précédent. Du coup, on va dire all sprite parce qu'en fait, théoriquement, rien ne dit qu'il soit vraiment vert. Si jamais on appelle cette fonction plusieurs fois, même si c'est pas le cas, ce sera plus propre. Et donc là, l'idée, c'est de faire slime replace sprite.
coup là c'est plus clair pourquoi ici il faut utiliser self. Ouais, en fait, c'est exactement ça, Little Black. C'est mon principal problème pour faire des tests unitaires d'ennemis, là. C'est que les ennemis se déplacent. Peut-être que ceux-là, ils se déplacent pas aléatoirement, quand même. Mais de façon générale, oui, c'est pas du tout pratique. Parce qu'il n'y a pas encore dans Solarus un mode de test qui rendrait les nombres aléatoires déterministes. Et ça serait compliqué à implémenter. Enfin, ça fait longtemps que j'y pense, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Après, si on regarde ce script-là, si je pense que quand il est loin du héros, il fait des trucs aléatoires quand même. Est-ce qu'il y a le mot random dans le script? Non. Donc il s'approche du héros, ça c'est pas aléatoire du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mouvement? Son seul mouvement, c'est d'aller vers le héros. Donc le reste du temps, il est arrêté. Du coup, lui, je pense qu'il n'a pas d'aléatoire. C'est déjà ça. Pensais que le timer, ils auraient de l'aléatoire des fois, mais non, apparemment. Pas dans ce script-là. Purée, mais le nombre de timers qu'il y a dans ce script, c'est ouf. Et wind duration, c'est égal à quoi? C'est une constante peut-être? 3000. Après, j'ai pas non plus envie de faire un test qui vérifie exactement qu'au bout de 2 secondes et demie, l'œuf a été lancé et n'est pas encore éclos et tout et tout et tout. Parce que si c'est trop précis après, c'est le genre de test qui va être cassé tout de suite dès qu'on s'amuse à changer un petit peu un jour si on veut améliorer le script et qu'on se rend compte que par exemple la durée du vent est un peu trop longue et qu'on le change, ça serait un peu embêtant que ça casse des tests unitaires. Enfin, c'est-à-dire que le but du test philosophiquement c'est pas d'être absolument certain que le vent dure pile 3 secondes. Mais il faudrait essayer de l'écrire plus intelligemment en testant que par exemple il y a eu du vent à un moment et que le vent arrive à pousser Link, c'est surtout ça. Alors déjà, est-ce que j'ai corrigé mon problème de sprite? Oh, il y a une erreur là. Ah, j'ai fait une typo. Ben, vous voyez pas, mais je vais vous le mettre. Ennemi, ça n'existe pas. Ça doit être dans l'autre script. Attendez, slime green, j'avais pas mis self. Ah oui. Non, c'est bon. Bonsoir, Phoenix. Ok, green sprite, nil value. J'ai renommé des variables, mais j'ai oublié de les changer partout. S'appelle Old Sprite. Je pourrais quand même vérifier qu'au bout de n secondes, le vent a été lancé et les coordonnées du héros ont changé. On peut vérifier ça. Et ensuite donner des coups d'épée. Je suis allé un peu vite là, mais j'ai pas vu le problème de sprite, donc je pense que j'ai réparé le souci.
ça m'a l'air correct. Voilà. Petit warning pour dire, appelez cette fonction seulement si vous savez ce que vous faites. Alors, comment on va faire pour détecter qu'il y a eu du vent? On peut regarder les sprites. Parce que je crois que c'est un sprite le vent. Start wind, create sprite. Et créer un slime purple avec l'animation vent. C'est quoi H? Ah, c'est le héros. Ouais, d'ailleurs, ça c'est pas top parce qu'il n'y a pas que dans l'état Frozen qu'on veut que le vent n'ait pas d'effet. Il y en a sûrement plein d'autres. Par exemple, si on est en train de tomber dans un trou, si on est en train de pousser un bloc, d'utiliser le grappin, enfin il y a plein de trucs. Si on est dans des escaliers, vous imaginez, si le vent a un effet, là ça va tout péter. Donc il faudrait plutôt appeler Can Be Hurt, est-ce que ça existe? Ou alors on fait l'inverse, on fait une liste blanche. N'y a que dans certains états bien précis où il pourra être sensible à ça. Carrying free. Running. Sword loading. Peut-être sword tapping. Peut-être spin attack. Sword swing. Faire une petite fonction.
Donc différent de Free Carrying, les 4 swords. Comment ils s'appellent ces états déjà? Sword spin attack, sword loading, sword tapping. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Running. Swimming aussi. En fait, c'est à peu près tous les états où le joueur peut contrôler son mouvement. Sword spin attack, running, swimming. Et si on est dans un custom state, là on a un peu plus d'infos. On peut appeler get can control movement. Tiens, on peut dire function hero on position changed. Et donc si X a changé ou Y a changé, c'est pas comme ça qu'on écrit différent en Lua. Alors c'est bon, on a été poussé par le vent. Donc on va vérifier que c'est le cas. On n'a pas été poussé par une autre raison. On doit toujours être dans l'état free, mais c'est juste qu'on a été poussé par le vent. Et donc on peut aussi vérifier que l'ennemi devant un sprite qui s'appelle Wind.
peut déjà vérifier ça. Alors, j'ai fait une connerie, ligne 291. Oui, ben justement. J'ai fait la même erreur partout. Assert equal, ça ne marche pas. Ah oui, parce que je suis pas dans la testing quest, j'ai pas les asserts, les petites fonctions assert utiles. Ligne 293. Ah bon, j'ai appelé Iswind Ignored. Ah oui, parce qu'il l'a appelé H, mais il faut pas l'appeler H. Comment je teste s'il reste des H maintenant? Super. H. Ça m'a l'air bon. Ok. D'ailleurs, il y a un état interne du Slime Purple, mais on peut pas l'appeler parce que c'est justement caché, c'est interne. Après, on pourrait quand même faire une fonction getState pour à des fins de debug. Là, en fait, j'appelle le sprite du vent pour vérifier qu'il y a le vent, quoi, parce que je peux pas tester directement s'il est dans l'état wind. Assert failed. Ok, celui-là. Ok. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Elle est où l'attaque du vent? Elle est là. Ah non, attends, oui, attends. Si, c'est bon, il s'appelle. Il s'appelle bien Wind. Donc, il devrait le trouver quand même. Ah, sauf que c'est Wings. Create sprite, c'est quoi Wings? Wings, c'est les ailes. Ah, il y a une custom entity qui est Wings. Donc je peux pas tester ça comme ça finalement. C'est pas grave. Je le teste pas. Si j'ai changé de position alors que je suis dans l'état free, c'est que j'ai pas été blessé. Donc c'est forcément par le vent. Ok, mon petit test est passé. Ensuite ça a échoué, ligne 20. Ah oui, c'est parce que je me suis fait blesser à la fin, non? D'ailleurs, ouais, je peux laisser ça là. Je voulais tester ça qu'une seule fois en fait. Un scrad. On va vérifier qu'au bout de 10 secondes, il a bien été poussé par le vent. C'est ça que je voulais vérifier.
Non, il veut toujours pas. Hop, il n'y a pas besoin de l'acerter égal trou. Je peux aussi vérifier qu'il y en a deux au bout de 10 secondes. C'est get entities by type. Faire une petite fonction. Donc après on peut asserter que... Il y en a deux. Au départ il n'y en avait bien qu'un. Après, il faudra arriver à donner un coup d'épée au moment où il est baissé. Donc, comment ça se déclenche là, qui se baisse vers nous? Start descending. Go up again. Quand est-ce qu'on appelle attaque? Quand on est proche. Quand est-ce qu'il est vulnérable alors? Ah, il utilise ça. Set invincible, set default, ok. Donc ça dépend de enabled. Ok, donc on a une fenêtre de 2 secondes pendant laquelle il y a pendant laquelle on peut attaquer et se faire attaquer. Et c'est dès qu'il y a, enfin c'est 50 millisecondes après le début de l'animation descend. De Shadow. Mais le Wings, j'ai pas accès, donc c'est pas si facile de tester ça. Je voudrais pas hardcoder juste le temps au bout duquel on va pouvoir attaquer quoi.
Parce que là, quand il attaque, il fait quoi d'autre sinon? Il s'arrête pas de bouger. À la fin, il s'arrête de bouger avant de remonter. C'est ce qu'on a ici. Je sais ce que je peux faire. J'ai qu'à simplement dire... Simulate command pressed. Attaque. Ah mince, j'avais pas le droit de l'appeler depuis là. C'est bizarre ça quand même. Oui, du coup, je suis dans le sword. Loading state, exactement. Donc le vent doit quand même me pousser dans cet état. Je me suis blessé avant que l'épée blesse l'ennemi. J'ai une autre idée. À un moment, il va se faire blesser. Je vais renommer celui-là en Was Pushed by Wind. Et donc, après avoir été blessé, c'est l'autre, on va donner un coup d'épée. Peut-être pas tout de suite, parce que là on est dans le state hurt, donc on peut pas. On va dire une seconde après. Donc l'autre elle a 5 de life. Qu'est-ce qui se passe en fait quand elle se fait toucher? Ça va appeler fall. Voilà, unhurt, state equal falling.
Au bout d'un moment, il est supprimé et remplacé par la Slime Green standard. Si je faisais plutôt comme ça. Ouais. Et donc au départ, je peux tester que ça retourne un tableau. Je sais pas si cette notation elle existe. On va essayer. Qu'est-ce que j'ai foutu? Coroutine, helper, get enemy count. Bah oui. Non, pas de 19. C'est attaque. Il y a quand même certains tests que je devrais faire là-dedans. Je sais pas dans quel ordre il va me les renvoyer en fait. Comment il les trie dans get dans l'itérateur là? Sûrement dans l'ordre de la map. Dans l'ordre de création, logiquement. À ce moment-là, je dois avoir deux slimes purple. Et après...
Je dois avoir un slime purple et un slime green déguisé en violet. Merde, ça s'appelle pas Get Model. C'est pas comme les Custom Entities. Ça s'appelle Get Breed. Insertion failed. Ah oui, mais il y a aussi les wings, non, c'est des custom. Ah, c'est un slime egg l'autre. Ouais, c'est pas encore un slime purple. D'accord. Donc c'est normal. Au moment où on se fait blesser, c'est toujours le. C'est toujours l'œuf. Bah même. Voilà. Et puis maintenant. Par contre, je l'ai pas vu donner de coup d'épée. Alors ligne 52. Du coup, ça n'a pas eu lieu. Command Pressed Attack. Est-ce qu'on était encore en train d'être blessé? Bon, j'ai pas vu, il s'est passé trop de choses. Je vais le relancer. Non mais si, ça a bien marché en fait. Il a donné le coup d'épée, le machin est tombé, les ailes se sont détruites. Il commençait à ressembler à quelque chose, ce test unitaire. Slime egg. Donc c'est celui du haut, c'est encore un slime egg. Quand on donne le coup d'épée, c'est bien possible en fait. J'ai qu'à attendre un peu plus longtemps encore. Je vais refaire un timer, mais après je vais essayer de d'aplatir mes appels. Bon, ça a encore cassé, ligne 51. Ah oui, alors c'est dans l'autre sens. Oui. Attends, pourquoi? Non, ça devrait pas.
ce moment c'est un purple. Ok, mais tout à l'heure c'était pas le cas. Ça y est, j'ai compris ce qui va pas. Hi Joe 19SH 92. Yeah, great. We are going to release Solaris 1.6.5 quite soon. So I was testing the default enemies of the free resource pack to make sure that they work correctly. So I'm trying to write some unit tests. So this stream is supposed to be in French, but of course I can answer some English questions. No problem about that. So enemies one is actually the first one created, so it's the purple one, and the second one is still the egg at this point, and later the first one is removed, replaced by a green one, and the egg should be replaced by a purple one. So I'm not sure about the delays exactly, but I just want to check that this happens. Un peu, tu parles français, ok. Solaris pourra-t-il un jour exporter des jeux en mode autonome? Bon, en fait, c'est assez facile de d'autonomiser tes jeux si tu veux. Tu peux distribuer un zip qui contient. Enfin, disons sous Windows, par exemple. Tu peux distribuer un zip qui contient solarisrun.exe, tous les DLL qu'il faut, et puis ton fichier en .solarus. Et tu peux même renommer solarisrun.exe en ton jeu.exe. Alors lui, il s'appelle Slime Purple. Le 1. Ok, c'est parce qu'il n'a pas encore été. Non, c'est pas normal. Si, parce que l'ordre a changé. C'est compliqué, bordel. Mince. Et donc en ligne 56, peut-être qu'à ce moment-là c'est encore trop tôt pour que ce soit un green.
Slime egg. Mais au bout d'un moment, le egg, il est remplacé par un autre, non? C'est même sûr. Je pense. Cette slime model. Voilà, il fait un create enemy. Au bout de time to hatch plus 200. Donc c'est 5 secondes. J'ai pas attendu assez longtemps. On est où? Slime purple? Non, test slime purple. Ah, j'ai quand même attendu 10 secondes là, non? Ah, mais non, ça c'est autre chose. Mais attends qu'on se fasse blesser, l'autre il est plus du tout censé être un œuf. Le slime egg doit avoir disparu et il doit avoir un slime purple à la place. Un slime et un slime egg. J'ai deux slime purple, faut pas rigoler quand même. Ah, attendez, le test est passé. Ah oui, c'est parce que je teste plus rien. Mais j'avais fait un print. Ce print-là n'a pas eu lieu. C'est parce que ça s'est fini avant. On a deux slime purple, maintenant on a un slime purple et un slime green déguisé en slime purple. Logiquement. Pourtant il est toujours slime egg. Ah, mais je suis vraiment bête. Je suis vraiment idiot. Je reteste le même tableau à chaque fois là. Fatigue. Ah, ok. Donc quand on se fait blesser, on a toujours le premier des deux qui avait existé. Ensuite le deuxième c'est l'œuf qui a été pondu. Après une seconde plus tard, on attaque l'ennemi. Donc là à ce moment-là. On a le slime egg. Qui a été transformé en slime purple. Enfin, tout est possible. Je sais pas dans quel ordre ça va. C'est censé arriver en fait. Je vais juste afficher les trucs. Enlever les asserts. On a l'œuf. On se fait pousser, c'est encore un œuf. On se fait blesser, c'est encore un œuf. On donne un coup d'épée, c'est plus un œuf. C'est bien slime purple et slime green dès mon premier machin. Ouais.
Donc tout celui-là, tout ça ne sert à rien. Par contre, je peux le refaire ici entre-temps. Parce que là, je suis pas sûr que ce soit la même chose. Ouais, c'est deux purple à ce moment-là. C'est getID ou get... Je crois que c'est getAnimationID que je veux. Ok, bon là mon test il est pas mal, hein. Sprite, comment on récupère l'animation? C'est juste animation, c'est pas animation ID. Ok, par contre, une fois qu'on arrive là, on peut quitter. Du coup, tout ça sert plus trop. Ça, je peux le mettre là. Hop. Finalement, je n'utiliserai pas de coroutine dans ce test. Mais c'est pas get animation, c'est pas ça que je veux. Ah, j'ai fermé la doc. Non, j'ai pas fermé la doc. C'est get animation 7. On va y arriver. Ah, c'est bon, ça marche. Ok. Maintenant, je vais relancer tous les tests. Juste pour être sûr. En plus, j'ai pas encore testé les. Ah, le slime rouge et le slime vert. Que j'ai bougé dans d'autres fichiers, je les ai pas encore lancés depuis que je les ai changés. Ça a l'air ok.
Bon, ben on va commiter ça. Data enemies, data maps, data project DB. Voilà. Alors, il reste que j'avais fait des tests la dernière fois sur cette map. J'avais vu des erreurs dans la console et j'ai pas réussi à les reproduire. Donc je vais mettre à jour les ennemis pour être bien certain que c'est bon. Green, purple, red, yellow, green. Slimy green, je veux dire, oui. Par contre, il y a le green small que faut que j'enlève. Mais c'est vrai que j'étais en no sound quand j'ai lancé les tests unitaires, mais en réalité, on a du son. J'espère qu'il y ait. Ah, vous l'entendez pas. Ça y est, là vous devez l'entendre. J'espère qu'il n'est pas trop fort dans vos oreilles. Là, on a un rouge. Alors, le rouge aussi, il lance un œuf et il crée un autre rouge. Mais heureusement, ça ne va pas plus loin, ça s'arrête à deux. Après, il lance des flammes. On a plein de slime. J'ai pas encore fait de test pour les bleus ciel et les jaunes. Mais ça rame. C'est pas normal. Les bleus ils nous glacent, c'est quand même pas mal fait. Ah voilà, là j'ai eu une erreur, slime green. Mais c'est le truc que j'ai corrigé l'autre jour pourtant ça. C'est quand je tue un slime violet à la fin là. Qui en réalité utilise le script de slime green. Ah oui! Non mais je sais. C'est juste que dans cette quête là, j'ai pas importé tous les fixes de l'autre jour. J'ai pas importé le. J'ai pas remis à jour le ennemi slime. Purple qui a été mis à jour. Donc ça c'est bon. Puis il y avait un autre truc, j'avais mis à jour le tileset aussi. Après cette quête là, c'est même pas une quête versionnée, c'est juste une quête pour moi que j'utilise pour faire les tutos. Pour enregistrer les tutos. D'ailleurs, il y aura bientôt des nouveaux tutos. Et justement, c'est aussi pour ça que je fais ce stream là, c'est que je. J'ai besoin que tout marche quand je vais faire des tutos, par exemple, sur les ennemis. Donc j'aimerais bien que les ennemis fonctionnent. Ok. Donc après, je voudrais vérifier, justement, pas seulement les ennemis, mais aussi les autres choses de base.
Par exemple, si je crée un bloc, par défaut, il va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de sprite. Je pense qu'il utilise un sprite par défaut de bloc s'il est défini, et peut-être qu'il n'est pas défini, là peut-être qu'il n'existe pas. Donc ça serait mieux de le faire. Celui-là il existe mais il est vide. Ouais, il y a des sprites que j'ai créés juste pour qu'il n'y ait pas d'erreur quoi, mais ils n'existent pas vraiment. C'est pareil si on crée un coffre, il va pas marcher, enfin il va pas s'afficher par défaut, ce qui est pas très intuitif quand même. Parce que l'éditeur affiche quand même des icônes génériques, mais dans le jeu on leur a pas mis, ils ont pas de sprite. Me dirais c'est pareil avec les ennemis tant qu'on n'a pas choisi un. Ah si, les ennemis. Ah ouais, mais alors le... voilà, lui c'est un autre problème. J'avais déjà corrigé ça l'autre fois, donc on s'en fiche. Les boutons, eux, ils ont pas forcément le sprite par défaut, donc c'est ok. Peut-être s'occuper des coffres et des blocs alors. Déjà, je vais mettre à jour Sample Quest et Initial Quest avec ce que j'ai corrigé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai changé que les slimes. J'ai changé slime green, slime purple et les tests. Donc je vais corriger ça dans la sample quest. Dans la Initial Quest. Et Testing Quest éventuellement. Maintenant que j'ai des vrais ennemis. Celui-là, j'avais mis dans le Testing Quest. Okay, donc on va l'importer, on va le mettre à jour aussi. Alors ensuite, je voudrais vérifier donc. Ce qui se passe quand on crée un bloc, par exemple, par défaut. Dans l'éditeur. Il n'a vraiment pas de. Il n'a vraiment pas de sprite. Peut-être que si. Je vais voir dans Entity Model. J'arrive plus à écrire, mais Entity Model. Dans Entity Data du moteur plutôt. C'est là que j'ai tous les machins par défaut. Voilà. Donc par exemple un chest, il a bien un sprite. Le sprite est obligatoire. Et il a une valeur par défaut. Mais c'est juste que dans l'éditeur, si ce sprite n'existe pas, du coup l'éditeur affiche un autre truc à la place. Et c'est pas immédiatement clair pour l'utilisateur que... Il manque le sprite en fait. Donc c'est ça que je voudrais rectifier. Pareil pour le bloc.
Qui d'autre a un sprite qui serait obligatoire? Téléporteur, c'est optionnel. Destination, c'est optionnel. Destructible, c'est obligatoire. Mais vide par défaut? Parce qu'il est obligatoire, mais du coup, il est invalide par défaut, en fait. C'est pas mal, ça, comme système. Tiens, on va revenir à Tuto Quest. Si vous créez un destructible avec les valeurs par défaut, vous faites OK. Je pense qu'il va être valide parce que la liste a quand même sélectionné quelque chose là-dedans, même si normalement on n'est pas censé pouvoir sélectionner les dossiers là-dedans. Ouais. NPC il est optionnel. Sprite, on vient de voir, il y a le problème. Switch, c'est optionnel. Stream, c'est optionnel. Layport, c'est optionnel, mais par défaut, il n'y a rien non plus. Et custom, c'est optionnel. Donc, on va s'occuper des coffres et des blocs déjà. Donc certes, je pourrais afficher plus clairement dans l'éditeur qu'il y a un petit problème à ce moment-là, que le bloc n'est pas valide. Mais déjà, dans le ressource pack par défaut, je pourrais faire en sorte que ben justement, que le sprite existe. Le sprite par défaut existe. Donc, free resource pack. Donc là, je vais créer un sprite qui s'appelle bloc. Et un autre qui s'appelle chest. Mais du coup, ils vont être identiques à ceux qui existent déjà dans les dossiers, là. C'est ça le problème. Avec le système actuel de Solaris, on peut pas trop faire autrement. Mais un jour, ça sera mieux. Un jour, on améliorera pour de vrai. Donc du coup, free resource pack. Je vais donc copier. Allô? Ok. Il y en a plein des blocs. Il y a différents styles en fait. Prendre celui-là, on va dire bloc gray. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre des licences sur les fichiers que j'ai créés tout à l'heure.
Voilà, donc cette fois-ci, on a bien un bloc par défaut. Donc je vais faire pareil pour les chests. Alors c'est la même chose, on a des chests de plusieurs hauteurs différents dans le pack de ressources. Ah mais en fait il faut que j'en prenne un qui soit présent dans Initial Quest. Parce que je les ai pas forcément tous mis. Je suis raté dans les copier-coller de licence. Ok, je vais vérifier. Merci. Ok, j'en ai un petit peu moins là. J'ai que ceux de Diarandor, donc le choix va être vite, plus vite fait. On va prendre le Chess Brown, c'est le plus standard, on va dire. Donc je suis raté où alors dans map test. Oula oui. Merci Zacharis. Ok. Donc j'ai copié le chest brown. J'aime pas trop l'avoir en double, mais encore une fois, je corrige que du côté de la quête pour l'instant. Et il faudrait faire des modifications dans le moteur ou dans l'éditeur pour pouvoir éviter cette situation. Chest.dat. Après, c'est que le point date qui est en double, c'est pas le point PNG. Ok, bah je pense que c'est tout. Maintenant, on devrait avoir moins de problèmes. C'est-à-dire que si vous créez un bloc, il va avoir un sprite maintenant par défaut. Et pareil si vous créez un coffre, donc c'est plus intuitif qu'avant. Me suis rendu compte de ça en laissant mes filles jouer avec l'éditeur. Comme ma fille de 7 ans, bah forcément elle est débutante en informatique, hein, évidemment. Elle commence à comprendre la souris. Et ben, je me rends compte de ce qui est pas bien conçu pour l'utilisateur. Ok, le reste, on a vu que c'était normalement plutôt bon. Donc, je vais commiter ça et je vais les ajouter dans les autres. Alors, sample quest, il n'y a pas trop besoin. On va le faire quand même. Donc, entities, chest, block, c'est surtout le plus important, c'est dans Initial Quest, parce que ça c'est la quête que vous avez quand vous faites fichier, nouvelle quête. Et là on a besoin que bah, ça puisse marcher direct, quoi. Quand vous créez un coffre, vous avez envie qu'il fonctionne, qu'il s'affiche. Donc importer, Sprite, entities, chest, block. Let's go. Et puis testing quest, bon, pourquoi pas.
quand même que j'ajoute les nouveaux fichiers. Git add sprites. Et il faut que je fasse attention à pas commiter quest.date parce que j'ai ajouté une write directory pour pouvoir tester. Voilà. Alors du coup la testing quest je la mets à jour. Update testing quest with recent resource pack improvements. Je suis pas dans la bonne branche, merde. Je peux enlever cette branche-là parce qu'elle a été émergée. Ah non, elle n'a pas été mergée encore. Bon, dans ce cas, il faut que je la laisse dans un meilleur état, on va dire. Voilà, j'ai réussi. Git push. Vivement qu'on puisse zapper ce vrai directory. Oui. Ça fait longtemps que je veux faire ça. C'est tellement débile parce que y a aucune raison de forcer d'avoir un vrai directory tant que on n'utilise pas, tant qu'on ne tente pas de sauvegarder un fichier de jeu quoi. Alors ici, on est dans quelle branche? On est aussi dans la bonne branche. J'ai mis à jour tous ces trucs. Data Sprite Entities. Pourquoi il y a un autosave là? Non, non, j'ai rien changé dans test, dans chest.cpp. Pardon. Alors. Update. Initial quest. With free resource pack fixes. Bon, puis j'avais même modifié dans un sample quest. Même si là c'est moins utile parce qu'elle est moins destinée à être modifiée par les gens.
toute façon, je trouverai encore des problèmes quand je vais enregistrer les tutos. Mais c'est pas grave, je les corrigerai. Je m'y attends. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut l'afficher sous forme board dans 1.6.5. Bon, là, c'est toutes les issues, vous inquiétez pas. Mais si on fait milestone égale 1.6.5, en fait, il ne reste plus grand-chose. Les problèmes de shader, donc là, j'ai demandé. Normalement, c'est corrigé. Il faut juste que. Je sais plus comment il s'appelle, il faut juste qu'il reteste. Et puis, les deux autres trucs, c'est de la doc en fait. Donc, la rigueur, si j'ai encore un peu de courage ce soir, je pourrais commencer à faire ce... Enfin, je pourrais faire la doc. J'avais ajouté des fonctions dans un stream précédent, là. Destructible get et set cut méthode, mais je les avais pas encore documentées parce que, je sais pas, j'avais eu la flemme. Donc, on va s'occuper de ça. Ah, est-ce que j'ai encore mon workspace? Solarus. Ah, il y a tous les dépôts sont là-dedans. Ouais. Dont la doc. Alors. On est dans la branche dev, donc on va aller dans la branche release 1.6.5 parce qu'en fait, c'est exceptionnellement, c'est une feature qu'on a ajoutée dans 1.6.5. Ouais. Juste pour corriger un. Parce que c'était quand même fâcheux de ne pas avoir ça dans Ocean's Heart et il n'y avait pas de workaround. Donc c'était exprès pour aider Ocean's Heart. Bon, du coup, je vais regarder le code pour revoir comment ça marchait. Bon, déjà, je vais vérifier que la documentation n'est effectivement pas faite. Donc dans la page destructible, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On a get treasure, set treasure, destruction sound, can be cut, can explode, can regenerate damage on enemies, modify ground, et les événements. Ok. Alors si je documente... changement de l'API audio, je crois que j'avais toujours pas fait, mais ça c'est dans 1.7, c'est autre chose. Enfin oui, 1.7, c'est pas dans 1.6.5. Donc ok, si on regarde dans le code source de destruct de Entity API, get set cut method, c'est aligned ou alors pixel. Par défaut, c'est aligned. Ok. Le plus dur, ça va être d'expliquer ce que ça veut dire. Expliquer clairement ce que ça veut dire. J'avais mis après get set can be cut. Oui, c'est logique. Alors, subsection. So, returns. This only has an effect if celui-ci is true.
C'est pas un boolean, c'est une string. Faudrait que je regarde dans mon autre modèle, par exemple opening method. Ah mais on n'avait pas fait encore get opening method. Oui c'est vrai, c'est toujours dans la pull request. Faudra que je m'en occupe. En fait juste n'importe quelle fonction qui retourne une valeur d'énumération. Par exemple, là, je les explique toutes dans la même ligne. Mais d'autres fois, si je veux mettre plus de détails, par exemple, getState. Can be one off. Je trouve que comme ça, c'est plus clair. Même si j'en ai que deux, ça me permet d'avoir une ligne d'explication pour chaque. C'est align ou aligned? Je ne sais plus déjà. Je crois que c'est aligned. Oui. Ou alors pixel. Comment on écrit approximativement? Ouais, comme ça. Ça fait pas très clair de dire approximativement. Sufficiently. Il faut aussi que je dise que ça c'est le défaut. With this object. Ok, ben le deuxième est beaucoup plus simple. C'est juste s'il y a une collision, boum, c'est bon.
cut méthode. Voilà. Ouais, les machins qui sont obsolètes. Ah, des erreurs là. Mais ça, c'est pas lié à ce que j'ai fait aujourd'hui. Lua API input. Ça n'existe juste pas dans la doc, ça a été oublié ou quoi? On verra ça une autre fois. Alors, je vais ouvrir la doc en local. Solaris Doc. Ça n'a pas changé. Alors attendez, où est-ce qu'il a généré les trucs? Normalement, il a généré dans 1.6 slash HTML. Ça n'a pas changé depuis 2 ans. What? Ah, parce que maintenant c'est censé être fait automatiquement, non? Elle déploie automatiquement, il me semble, la doc. Ou alors c'est que la nouvelle doc. Je ne sais plus. Il n'a pas recréé le dossier. Du coup, où est-ce qu'il a tout généré? Je comprends pas.
Ah, outputDirectory.point/build. C'est ça. Voilà, ok. C'est là que ça a bougé. Ok, get cut méthode. Déjà, je me suis planté, faut pas que je mette ce truc. Ah, ça a pas sauté de ligne. Ah oui, il faut que je mette des tirets. C'est autre chose. Alors, ah, c'est déjà mieux. Ok. Allez, on commit. Voilà, et l'autre c'est plus un détail, on va dire. 7 optimization distance. J'étais pas trop d'accord avec l'idée de changer la doc de ce truc. Bah, j'ai mis dans la milestone 1.6.5 juste pour étudier la question, pour pas oublier. Et puis après, j'ai conclu qu'il n'y avait rien à changer finalement. Bon, on va revérifier. Donc c'est dans Entity. Optimization Distance. Peut-être qu'on pourrait reformuler pour expliquer mieux, mais bon. Il y a quand même une garantie que en dessous de la licence d'optimisation, enfin, quoi que ça pourrait changer dans l'avenir aussi, ça. Non, je vais rien changer la doc de ça. Voilà. Hop. Close. Ça, c'est réglé. Voilà, une de moins. Bah, du coup, c'est bon, on peut réaliser 1.6.5.
On va pouvoir réaliser très bientôt. En plus, ça a déjà été un petit peu testé sur Ocean's Heart, donc je suis pas trop inquiet. J'ai quand même testé. Alors, il faut que je referme ça. J'aurais quand même testé créer une nouvelle quête vite fait. Donc là, je suis sur la branche 1.6.5. J'en ai déjà une qui s'appelle Test. Comment on crée un dossier là? Ah, c'est bien que ça ouvre ça, je me souvenais plus. Alors, les ennemis, donc on a. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a une map par défaut. On a bien les blocs, on a bien les coffres. Donc, ce que j'ai corrigé, ou ce que j'ai amélioré aujourd'hui, on va dire, ça a été pris en compte. C'est directement jouable. Coffre est vide, il ne se passe rien. On peut créer des ennemis. Alors par contre là, il faut leur donner un modèle. Ah, par contre ça, je croyais avoir corrigé. Je lui donne le modèle de caméléon. Mais le sprite ne s'affiche pas. Alors qu'il existe. What? C'est peut-être que je vais pas vraiment donner le modèle de caméléon. Ah ouais. C'est plus un bug de l'éditeur. Il dit qu'il a pris le modèle de caméléon, mais c'est juste qu'il n'y en a pas. Et il n'arrive pas à afficher que rien n'est sélectionné dans la liste en fait. Bon, c'est pas grave, ça c'est pas nouveau comme problème. C'est moins problématique que les blocs parce que je pense qu'on comprend bien que quand on crée un ennemi, il faut quand même décider. Faut quand même lui dire quel modèle on veut lui donner. Ça n'empêche pas que j'améliorerai ça un jour, mais pas aujourd'hui. Bref, si on crée notre fameuse slime purple. Bonjour. Le son est plus fort que tout à l'heure. Mais c'est juste à cause de mes settings, les réglages de son de mon PC. Bon, les sprites fonctionnent bien. Ok, quand ils sautent, ça se passe bien. Tout à l'heure, ça se passait pas bien. Oh, parfait. Cool. On a quand même des erreurs qui font pas très pro. Pourquoi? Ah, ça vient de l'éditeur, ça vient pas du. Ces trucs s'afficheront pas dans la console du jeu, ça s'affiche que dans l'éditeur. Ok. On va se contenter de ça pour l'instant. Moi, c'est bien. Du coup, on va pouvoir réaliser 1.6.5 peut-être demain. Et puis après, mes prochains streams de live coding, ça sera sur Zelda Unhealing Begins et sur Children of Solarus. Et je pense que Zacharys, s'il est toujours là, il va être content. Voilà. Oui, je m'en doutais. Mais ouais, c'était plus urgent de finir. 1.6.5, surtout pour Ocean's Heart. Et pour les tutos aussi. Et puis après. Enfin, je veux dire, oui, je ferai. Les live making, je ferai du Unhealing Begins et du Children of Solarus. Et les live coding, donc côté C++, je ferai la. Voilà,
Oui, ce que j'ai codé il n'y a pas très longtemps. Un des trucs que j'ai codé il n'y a pas longtemps aussi pour 1.6.5, c'est le fait que quand on débranche son casque USB en jouant à un jeu Solarus, après le son ne revient pas. Non seulement par exemple, il pourrait continuer en se jouant sur les haut-parleurs principaux du PC, mais ça marchait pas, ça se faisait pas. Et même si vous rebranchez votre casque après. Et la musique ne revenait pas non plus dans le casque. Vous aviez plus du tout de son, il fallait relancer le jeu. Ça, c'est une des choses que j'ai améliorées dans 1.6.5. Et il faudra que je refasse dans 1.7 parce que. Enfin, il faudra que je refasse, ouais. Disons que le code côté 1.7, le code du son avait déjà changé pour d'autres raisons, pour les changements d'API. Du coup, le merge ne va pas être direct. Donc je ferai ça, je m'occuperai de ça, je vous expliquerai. Dans un prochain stream aussi. Et voilà. Alors c'est marrant, il y a mon fauteuil qui est en train de baisser là. Je sais pas pourquoi ça l'a pas fait pendant tout le reste de la soirée. C'est mon ancien fauteuil de bureau. Maintenant j'ai un fauteuil de gamer dans mon autre bureau. Mais là quand je suis ici, je baisse. Mais c'est pas très grave. Ok, bah merci à tous. Et puis. À très bientôt pour d'autres streams. Et alors, attendez, on va peut-être raid quelqu'un. Est-ce que Mimi, elle est encore en train de streamer? Parce que du coup, là, on est chacun dans un bureau différent. Comme ça, on m'entend pas dans son stream. Ni l'inverse. Alors, comment on fait pour... Attendez. Ah oui. Other channels you follow. Ah oui, elle est encore en train de streamer. Et ben voilà. Allez l'encourager, elle fait du Hearthstone et c'est une nouvelle streameuse. Elle a besoin de viewers et d'interactions dans son chat. Raid Mimifleur. Tac. Voilà, bah pour ma part, je vous retrouve dans la semaine. On fera plein d'autres streams encore. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.